Vous la coulez douce, là, sur les terrasses ? Ah ben, absolument. En plus, je suis en retraite, j'ai rien d'autre à foutre que de boire mon café et lire prendre les nouvelles. Prendre son temps, un dimanche matin ensoleillé, un expresso sur un bout de trottoir, les habitués n'en reviennent toujours pas. Un délice. À l'intérieur, cordon de sécurité, tables et chaises empilées, pas grave. Depuis le 19 mai, on renaît et tous ces mois au ralenti s'envolent à tire-d'aile. 50 euros, s'il vous plaît. Merci. Bar, restaurant, sans la terrasse, c'est comme un oiseau sans les ailes, vous voyez. Sans la terrasse, quand on marche au centre-ville, il n'y a pas de vie, en fait. Les serveurs pressés s'affairent. Dans cette autre institution de Limoges, nulle terrasse bondée, les distances sociales sont respectées et l'on retrouve ses réflexes d'avant. On va reprendre, c'est comme le vélo, ça se perd pas. On vous donne des pourboires ou pas? Un peu quand même, bien sûr. Je m'attendais pas à ça, franchement. Qu'est-ce que vous avez pris ce matin? Nature, soud d'orange et un brioche. Bonjour la France. Marilyn Monroe, pourrais-tu nous servir une grime, s'il te plaît? Ah oui, là, franchement. Marilyn, c'est Vanessa. Dans le bourg d'Aix-sur-Vienne, pour servir le chaland, il faut qu'elle traverse. Ça, c'est un moindre mal. On est tellement content de travailler, tellement content de pouvoir accueillir notre clientèle de nouveau que c'est très agréable, très chouette. Vivement que les salles intérieures rouvrent quand même. Mercredi. Rendez-vous mercredi. Rendez-vous pris. C'était un dimanche matin ensoleillé, avant-goût de liberté retrouvée. Après, il faut boire. Avec modération.